Au lendemain de l'examen blanc national et à moins d'une semaine du CEP 2020, les directeurs font les derniers réglages. Nous venons de finir un examen blanc national. Nous sommes en train de faire un peu de remédiation par rapport à ce que nous avons vu sur les copies des enfants. Chacun connaît déjà le niveau de ses enfants. Et nous travaillons maintenant à corriger les petites failles qu'il y aura pour que les résultats soient bons. La directrice du groupe B de l'école primaire publique Montagne entend occuper les apprenants jusqu'à l'avant-veille de l'examen. Et pour cause. Il faut rester avec eux pour faire des petites révisions, des petites retouches. Si on les laisse, ils ne feront rien à la maison. Ils ne feront que s'amuser. Vu leur niveau, ils ne sont pas encore conscients pour qu'on puisse les laisser d'y aller apprendre les leçons. Encore que dans cette zone, les parents ne nous aident pas dans le suivi des enfants pour les études. Donc, il faut tout faire à l'école. C'est pour cela que nous sommes obligés de les retenir jusqu'au vendredi avant de les libérer. La réalité du Covid-19 change les habitudes cette année. Plusieurs centres de composition sont même déplacés. Les autorités ont déjà pris les dispositions pour que nos élèves aillent composer au CG Zungo. Donc le jour de l'examen, les candidats du centre SNTN composeront au CG Zungo. Non, notre école n'est pas un centre d'examen. Nos élèves vont composer à l'école centre, Parakou centre. C'est là que vont composer nos enfants. En attendant le 6 juillet, quelques conseils aussi bien aux apprenants qu'à leurs parents. Cette semaine-là, qu'ils ne se promènent pas trop, qu'ils leur lisent un peu. Et à 2 jours de l'examen, qu'on les laisse se reposer. Parce que l'enfant, c'est vrai qu'il a besoin de jeu pour s'épanouir. Il faut qu'il se repose un peu pour pouvoir affronter et le CEP. Aux parents de prendre soin des enfants pour éviter de tomber malade au cours de l'examen, avant ou pendant l'examen. Prévoir aussi des imperméables parce que nous sommes en période de pluie. À quelques jours du CEP 2020, difficile de rencontrer le directeur départemental des enseignements maternels et primaires pour quelques explications sur la préparation de cet examen.